donc salon, festival, curieux voyageurs, et rencontre de monsieur le maire, Gaël Perdriau, qui vient faire un petit tour, une petite visite à ce festival. Donc, vos impressions, monsieur le maire? Oui, je suis venu à l'invitation du président, Christian Goubier, parce que c'est un festival que je fréquente maintenant depuis quelques années et que je trouve vraiment tellement enrichissant, tellement chaleureux, dans un esprit de tourisme solidaire, mais aussi de solidarité internationale, au travers évidemment de très nombreux exposants. Ils occupent tout le centre des congrès, ils se sont même élargis au planétarium cette année, avec des films qui sont extraordinaires et qui nous permettent vraiment de nous évader, découvrir des modes de vie, des populations qu'on ne rencontrera probablement jamais en vrai. Donc c'est un vrai beau cadeau qui est fait aux Stéphanois depuis maintenant 39 ans. C'est ce que nous expliquait tout à l'heure sur Facebook, RCF, Christian Goubier, en nous disant que c'est parti d'un tout petit, une rencontre de voyageurs pour devenir ces gros événements. Et on voit que les Stéphanois, comme vous l'avez dit, sont au rendez-vous. Quand on regarde les files d'attente pour les films, c'est impressionnant. Un record l'an dernier avec 16 000 spectateurs, des salles qui sont complètes, qui sont pleines, donc et tous avec le sourire et puis beaucoup de générosité. Donc c'est vrai que c'est un très beau cadeau. C'est pour ça d'ailleurs que la ville de Saint-Étienne soutient cette initiative et permet à 1400 scolaires de profiter également de cette ouverture, de cette fenêtre sur le monde. C'est vrai qu'hier, c'était impressionnant de voir 700 élèves dans le grand amphithéâtre, passionnés par ce qu'ils voyaient, posant des questions. Il y avait d'ailleurs la jeune femme que vous venez d'interviewer qui présentait son film. Et donc, c'est vrai que de voir tous ces jeunes qu'on peut enrôler dans ce festival, c'est vraiment passionnant. Oui, c'est d'avoir l'occasion effectivement de voyager au travers des films qui nous sont présentés. Mais c'est vrai que ces rencontres avec ces explorateurs, ces aventuriers, ces réalisateurs, c'est unique en France. Il y a très très peu de festivals, en tout cas de cette qualité. Et le président me glisse à l'oreille que pour le 40e anniversaire l'année prochaine, il aimerait sans doute réserver encore une surprise à ces nombreux visiteurs. Je disais tout à l'heure qu'on attendait avec impatience ce 40e anniversaire. Bah oui. Je vais vous laisser continuer votre visite. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Bon week-end.